Bonjour, ici Monsieur Cacahuète. Aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu Aldo Adventures sur PC. C'est un jeu que j'avais dans les années 90, que j'aimais bien. Donc, ça fait penser un petit peu à Donkey Kong. On a un petit personnage qui ressemble un peu à Mario, qui doit monter l'échelle et esquiver des boulets et atteindre trois trésors. Il y a un certain nombre de niveaux, je n'ai jamais vu le bout parce que c'est un petit peu difficile. Donc j'ai retrouvé une version chez AWA du jeu. Ma petite déception, c'est qu'il n'y a pas de son. Et dans mes souvenirs, il y avait du son à l'époque. Il y avait des bruitages, des effets sonores et c'était sympa. J'ai fait des recherches sur le net à ce sujet. Donc apparemment, il existe bien une version avec du son, des effets sonores. Mais cette version-là, donc bon, forcément, elle est payante. Et donc sur la page que j'ai trouvée sur internet, donc apparemment, si je me trompe pas, c'est l'auteur qui réclame donc 15 dollars donc pour envoyer son adresse aux États-Unis, mais il précise pas comment, donc il n'y a pas de mot de PayPal ni rien, donc c'est juste une adresse. Donc est-ce que c'est bien l'auteur ou est-ce que c'est quelqu'un qui s'est passé pour l'auteur et qui réclame de l'argent? Donc normalement, il devrait y avoir des effets sonores, et dans mes souvenirs, il y avait des effets sonores. Sur le web, la version sonore est introuvable, n'existe plus. Donc voilà, donc c'est parti pour le jeu Aldo Adventures.
Voilà, donc je vous ai montré donc deux versions de Halo Adventures. Je ne saurais pas vous dire, vous dire plus. Apparemment, il y aurait d'autres versions. Une version où le personnage est en costume vert, comme Luigi. Et donc, il y aurait la version avec les effets sonores que j'avais autrefois dans les années 90, mais qui est introuvable. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt et au revoir.